Ok, on va débuter donc avec le chapitre 2. Outils de planification et d'ordonnancement, le PEUC et le GANT. Toute entité économique, entreprise industrielle, entreprise du bâtiment, administration, sous-traitant, doit assurer la cohérence technique et économique de la réalisation du produit et au service avec le contrat qui la lie au client. Cette réalisation doit amener la satisfaction du client. Ici, on parle plus de qualité, en respectant le cahier de charge, les délais et les coûts. Pour cela, il faut effectuer deux types de gestion. On a la gestion technique. Dans la gestion technique, nous avons la spécification et les délais. Et après, nous avons la gestion économique, à savoir les coûts et les prix de revient. Lorsqu'on est en train de monter, on est en train de planifier un projet, on parle de gestion technique, la spécification et les délais. Il faut savoir que on n'étale pas le projet sur une durée indéterminée. Parce que si vous étalez le projet sur une durée indéterminée, vous ne saurez pas quand est-ce que vous devrez l'achever. Alors, il faut donc se fixer des délais. Il faut se fixer des coûts. Pourquoi? Je suis dans la gestion économique, il faut se fixer des coûts parce que je dois savoir minimiser mes coûts dans mon projet. Je ne dois pas avoir des charges supplémentaires qui vont rendre, par exemple, le projet très coûteux. On a aussi le prix de revient. Le prix de revient, c'est quoi? C'est la totalité des charges qu'on a eu à engager dans le projet. Quand on dit la totalité des charges, c'est toutes les charges jusqu'à la livraison du projet. Alors, les différentes méthodes utilisées permettent de faire apparaître clairement et rapidement les données liées à la réalisation d'un projet, telles que les temps, les délais, les moyens ou ressources, les coûts. De plus, ces méthodes peuvent permettre de prévoir au moment opportun les contrôles qui s'imposent en cours de réalisation. Ici, on parle du suivi de projet. Parce qu'au moment où on est en train de réaliser le projet, le suivi va permettre de savoir s'il y a des... Comment je vais appeler ça? Le suivi va nous permettre de savoir si à un moment donné, il y a peut-être eu des erreurs au moment de la des erreurs de il peut y avoir peut-être des erreurs de conception ou même des erreurs pendant la réalisation du projet. Alors, les méthodes d'ordonnancement des tâches permettent d'avoir une représentation graphique immuable ou non. Lorsqu'on dit immuable ou non, ça veut dire que soit une représentation graphique standard, statique qui ne va pas être modifiée, ou une représentation qu'on pourra modifier à notre guise. Une représentation graphique d'une réalisation en représentant chaque opération ou tâche par un arc, une liaison ou un rectangle qui peut être proportionnel ou non à la durée. Ce graphique, dans tous les cas, permet le positionnement relatif des opérations dans le temps. L'objectif de ces graphes ou de ces différents graphiques, c'est quoi? C'est de pouvoir positionner chaque tâche, chaque étape du projet dans un plan, de telle sorte qu'on sache que telle tâche a été effectuée pendant telle durée et on connaît le début et la fin, de telle sorte que s'il faille qu'on débute une tâche suivante, on aura déjà l'information sur la fin de la tâche précédente. Alors, si on veut donc parler des méthodes de planification de projet et des méthodes d'ordonnancement, nous allons faire une brève, on va un peu essayer de parler de son évolution dans le temps avec son historique. La plupart des méthodes ont été mises au point pour mener à bien l'effort de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. La méthode PERT, Program Evaluation and Research Task ou Program Evaluation and Review Technique, a été mise au point lorsque les États-Unis ont entrepris de créer leur force d'attaque nucléaire sous-marin et fusée Polaris. Il fallait aller vite pour attraper le retard pris sur l'URSS
Ce projet était soumis à de nombreux problèmes techniques. Il y avait les délais fixés, il y avait la coordination de 250 fournisseurs et 9000 sous-traitants. Vous voyez un peu l'origine du réseau PERT. Alors, ils étaient un peu dans une... on va appeler ça comment? Ici, le projet était tellement grand. Vous imaginez un peu une coordination de 250 fournisseurs. Fournisseurs de composants, fournisseurs de matériel, fournisseurs de matière. C'était vraiment, je pourrais dire, c'était un projet tellement grand. Alors, il y a pratiquement 9000 sous-traitants. Pour obtenir donc l'efficacité maximale des efforts de chacun pour l'agencement du projet, il fallait disposer d'une méthode systématique de planification, de contrôle et de correction. Donc, une méthode qui te permet de planifier ton projet, de le contrôler et, si possible, dans le suivi, d'effectuer des corrections. Alors, on va passer à la prochaine étape. La création de la méthode PERT donc fut décidée dans ce but et son utilisation ramena la durée du projet de 6 ans à 2 ans et demi. Vous voyez comment une planification objective a permis qu'un projet qui devait être réalisé sur une durée de 6 ans, on s'est retrouvé en train de réaliser le même projet sur une durée de 2 ans et demi. On a réduit ce projet pas de moitié, encore plus même parce que la moitié de 6 ans, c'est 3 ans. On est descendu jusqu'à 2 ans et demi. Vous voyez le temps qu'ils ont gagné. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à bien planifier. Dans le même temps, pour les mêmes raisons, d'autres méthodes ont fait leur apparition. On a le réseau Petri, les méthodes MPM, c'est la méthode des potentiels maîtres en France. On a le diagramme de Gantt ou encore graphe chemin de fer. Dans le cadre de ce cours, nous présenterons la méthode PERT et le diagramme de Gantt. En fait, il y a plusieurs méthodes qu'on utilise, mais dans le cadre de ce cours, on va se limiter à la méthode PERT et au diagramme de Gantt. Alors, on va donc commencer par la méthode PERT. Quel est le principe de la méthode PERT? Le principe est de réduire la durée totale d'un projet par une analyse détaillée des tâches ou activités élémentaires et de leur enchaînement. On étudie les délais sans prendre en compte les charges. Notion de base. La méthode s'appuie en grande partie sur une représentation graphique qui permet de bâtir un réseau PERT. Un réseau PERT est constitué par des tâches et des étapes. Étape, commencement ou fin d'une tâche. Une étape n'a pas de durée. On symbolise une étape ou nœud sur le réseau par un cercle. On a l'étape ici, voici ça. On symbolise ça par ce cercle-là. L'étape n'a pas de durée. Maintenant, on va passer de l'étape à la tâche. La tâche, c'est quoi? Le déroulement dans le temps d'une opération. Contrairement à l'étape, la tâche est pénalisante car elle demande toujours une certaine durée. Les moyens ou ressources et coûtent de l'argent. Elle est symbolisée par un vecteur ou arc orienté ou liaison orientée sur lequel seront indiquées l'action à effectuer et le temps estimé de réalisation de cette tâche. On va prendre le petit exemple pour expliquer ça. Ici, nous avons quoi? Nous avons l'étape. Première étape, vous avez vu le rond là. Première étape, deuxième étape, troisième étape. J'ai la tâche A. Le A représente la tâche en elle-même. Et on a le 12. La 12, c'est quoi? C'est la durée de la tâche. Ça, c'est l'unité de temps. Si c'est en jour, ça veut dire que A, c'est pendant 12 jours. Si c'est en semaine, ça veut dire que A, c'est pendant 12 semaines. Si c'est en mois, ça veut dire que A, c'est pendant 12 mois. Pour B maintenant, c'est la même chose. C'est 6 unités de temps. Ça veut dire que on regarde l'étape. Première étape, on a donc la tâche A. Deuxième étape, on a la tâche B. On n'a pas encore représenté la tâche de la troisième étape. Quelle est la première remarque à faire? La longueur des arcs n'est pas proportionnelle au temps d'exécution.
Vous voyez que le A qui a 12 jours ou 12 unités de temps et le B qui a 6 unités de temps, ils ont pratiquement leur arc à la même distance. Avec que ça n'a pas de. C'est pas pertinent. On n'a pas besoin de dire que il faut une longue ou une courte distance. Ça ne dérange, ça, c'est pas important. Maintenant, deuxième remarque, pour alléger la représentation, on ne note pas le nom complet de la tâche, mais une lettre ou code de représentant. Ça veut dire que le représentant, ça signifie quoi? A peut être, dans un exemple, on peut dire que A, c'est aménagement. Au lieu d'écrire aménagement, entre parenthèses, 12 unités de temps, vous écrivez simplement le A. C'est la même chose pour B. Ça ne sert à rien de venir écrire la totalité de cette tâche-là. On peut simplement mettre A là ou B. Maintenant, je viens. On va donc entrer dans la représentation graphique des étapes et des tâches dans un réseau. Alors, comment est-ce qu'on représente graphiquement les étapes et les tâches dans un réseau? On a les tâches successives. On a un exemple là. J'ai quoi? J'ai la tâche A qui précède la tâche B et la tâche B qui précède la tâche C. A vient avant B, B vient avant C. B ne peut commencer que si A est terminé. Ça veut dire que je débute la tâche B lorsque la tâche A est terminée. A précède B. Précéder veut dire que A est une tâche antérieure à B. Ou encore, on peut dire A est antériorité de B. C ne peut commencer que si A et B sont terminés. Pour commencer la tâche C, je me rassure que la tâche A et la tâche B sont terminées. Alors, où A et B sont antériorité, où A et B sont antériorité à A de C, où A et B enclenchent C. Il faut que la tâche A et la tâche B soient effectuées avant qu'on ne commence C. C'est pour ça que A et B enclenchent C. C'est la fin de A et de B qui permettent le début de C. Remarque, en fait, B terminé suffit, sinon il y a redondance. La contrainte d'antériorité qui lie A à C n'a pas besoin d'être représentée. Ça veut dire quoi? Comme j'ai aligné ici que A vient avant B, B vient avant C, bien que je sache que A aussi vient avant C, je n'ai pas besoin de venir mettre l'arc peut-être comme ça. Là, je vais faire un petit dessin. Je n'ai pas besoin de venir mettre un arc aussi comme ça là. Pour dire que A, pour dire que A vient avant C. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je sais là, que A vient avant B, B vient avant C. Automatiquement, A vient avant C. Puisque si j'ai A qui vient avant B, A vient aussi avant C. Alors, on vient à ce niveau-ci. La remarque, c'est quoi? En fait, B terminé suffit, sinon il y a redondance. On a fini avec la remarque là. Les tâches simultanées. On présente les tâches simultanées. C'est quoi simultané? Ce sont des tâches qui débutent au même moment. Elles peuvent commencer en même temps en partant d'une même étape. J'ai deux tâches ici qui sont simultanées, B et C. B et C débutent à l'étape numéro 2 au même moment. Mais B et C n'ont pas la même durée parce que C a 3 unités de temps tandis que B a 6 unités de temps. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Je suis à ce niveau-ci. D ne peut commencer que si B est terminé. J'ai A qui vient avant B et C. J'ai B qui vient avant D. La question maintenant que je me pose, c'est est-ce que la tâche C qui est antérieure, puisque c'est au niveau de la deuxième étape, non, est-ce que la tâche C vient avant D? Vous voyez que dans la représentation que je viens de faire, je n'ai pas d'arc qui permet de me confirmer qu'il faut que la tâche C finisse avant de débuter D. Pour donc respecter le principe, qu'est-ce que je vais pour donc respecter le principe, qu'est-ce que je dois faire?
Je sais que le principe, le principe me demande de finir avec B et C avant de débuter D. Pour que ce soit représenté sur le graphique, je vais donc faire quoi? Voici comment est-ce que je vais corriger. Si l'on souhaite que D ne commence que si B et C sont terminés, on fait quoi? On va insérer une tâche fictive. Du fait de la règle de construction qui interdit de faire se dérouler les deux tâches B et C simultanément, nous utilisons une tâche X0 dite tâche fictive qui sert à représenter ce type de contrainte de liaison, contrainte d'antériorité. Il s'agit d'une tâche dont la durée et le coût sont nuls. On la représente en pointillés. Vous voyez qu'avec ma tâche fictive, je peux en dire que B et C vont d'abord s'achever avant on débute la tâche D. Alors que si je rentre dans l'ancien graphique, j'avais B qui venait avant D là et C qui n'allait nulle part. Vous voyez que ici, je relis de telle sorte qu'on ait cette information-là, que les tâches B et C sont antérieures à D. Et on peut même simplement dire que B et C enclenchent D. Parce qu'il va falloir que les tâches B et C soient achevées avant qu'on ne débute la tâche D. On va continuer avec les différentes contraintes. Maintenant, nous sommes dans les tâches convergentes. Plusieurs tâches peuvent se terminer sur une même étape. Ça va s'afficher. Plusieurs tâches peuvent se terminer sur une même étape. On a l'exemple ici. Elles convergent. La convergence, c'est quoi? On a deux éléments qui vont vers un même point. On a la tâche A et la tâche B qui convergent vers la tâche C. Ici, la tâche A, 12, une durée de 12 unités de temps. B, 6, a une durée de 6 unités de temps. On constate que la tâche A dure plus longtemps que B. A est dite pénalisante. Pourquoi est-ce qu'on dit que A est pénalisante? Les deux tâches C là convergent, les deux tâches C, A et B convergent vers C. Le souci, c'est que A a une durée de 12 jours, 12 unités de temps jour. J'ai toujours envie de dire jour, ça peut être mois, ça peut être semaine. A a 12 unités de temps, B n'a que 6 unités de temps. On se rend donc compte que A est contraignant parce que A va prendre plus de temps. Qu'est-ce qui se passe donc? Nous pouvons calculer la durée du projet ici. 12 plus 3 égale à 15 unités de temps en prenant le chemin le plus long dit chemin critique. Ça veut dire quoi? Si je veux parler de la durée du projet, je vais prendre 12 plus 3 pour avoir mon chemin critique. Parce que si je prends 6 plus 3, je vais dire que mon projet va durer combien? 6 plus 3, ça fait 9 jours. Si je dis que mon projet va durer 9 jours, il me sera impossible d'achever avec la tâche A. Comme je sais donc que A est la tâche est la tâche la plus contraignante en termes de durée en unité de temps, je fais donc quoi? Le nombre de jours de A plus le nombre de jours de C. 12 plus 3, j'aurai donc 15 jours pour mon chemin critique. Je descends. Ce chemin critique pourra être repéré en rouge. Les tâches de ce chemin seront à surveiller prioritairement. Ça veut dire que les tâches qui sont sur le chemin critique vont être surveillées prioritairement parce que ce sont des tâches qui consomment le plus de temps dans le projet. Alors, maintenant nous sommes dans la normalisation du graphe. On ne trace pas un graphe au hasard du genre, on vient seulement mettre les étapes et les ronds comme ça. Non. On doit respecter une certaine nomenclature. On doit respecter une certaine réglementation, une certaine normalisation. On doit respecter une manière de faire. Quand je regarde les graphes là, si le graphe doit débuter par plusieurs tâches simultanées, débuter par A ou même débuter par B, débuter par ici on va dire C, ici là c'est C, il ne doit y avoir qu'une seule étape d'entrée. Les étapes seront donc regroupées en une seule. Au lieu d'avoir un graphe aussi contraignant, on n'a qu'à faire débuter les trois simultanément. Vous voyez ici là, au lieu d'avoir
Je débute première étape A, deuxième étape B, troisième étape C. Non. Vous pouvez avoir tout ça à partir de la première étape. A va donner la deuxième étape, B donne la troisième étape, C donne la quatrième étape. Si le graphe se termine par plusieurs tâches, plusieurs étapes de sortie ou de fin, il ne doit y avoir qu'une seule étape de sortie. Vous allez voir le graphique pour l'étape de sortie, comment est-ce qu'on fait. Voilà. Pour l'étape de sortie, on doit aussi respecter le même raisonnement. Ici, on va sortir. Ça veut dire que les tâches T, U et V vont converger vers la 14e étape. On a T qui est vers 11e, 12e, 3e. On va converger vers la 14e étape. Au lieu de faire comme ça, c'est mieux de faire ceci. De faire converger ça. Au lieu d'avoir chaque tâche avec son étape, non, ça c'est pas évident. Alors, problème de dépendance. On a ici un problème de dépendance. A enclenche B, A enclenche D, C enclenche D. Si tu fais ton diagramme comme ça, là, ça sera faux. Pourquoi? On dit A enclenche B, non. Voici A qui vient avant B. On est encore d'accord. A enclenche D. Voici A qui vient avant B. On est d'accord. C enclenche D. On a C là qui enclenche D, on est d'accord. Mais il y a un problème. À aucun moment, on t'a dit que C enclenchait B. On ne t'a pas dit que C enclenchait B. Ça crée déjà un souci. Comment faire donc pour rectifier? Le graphe précédent est faux car cette constitution signifie A enclenche B, A enclenche D, C enclenche B, qu'on n'a pas vu au départ, et C enclenche D. Pour respecter les contraintes d'antériorité, du projet, on introduit une tâche fictive. Vous voyez qu'on a introduit une tâche fictive de durée X0. Alors, on a donc la représentation ici avec notre tâche fictive. À chaque fois que vous avez un casse-tête chinois, vous essayez de regarder votre graphe, vous trouvez comment positionner les arcs de telle sorte que la tâche fictive puisse vous alléger le travail, puisse vous faciliter la compréhension en respectant ces normes d'antériorité-là. Alors, les étapes ou nœuds peuvent être représentées de différentes façons selon les informations que l'on souhaite mettre en évidence. Ici, nous allons entrer dans... En fait, au départ, dans le cours, j'ai dit qu'on pouvait matérialiser l'étape par un simple rond comme ça. Mais on peut encore mettre beaucoup d'informations. Vous voyez ici, là, j'ai le rond, c'est ça. On peut le représenter comme ça, ou comme ça, ou comme ça. En représentant comme ça, bon, on renseigne moins, parce que là, on va donner moins d'informations possible. En renseignant comme ça, on va donner un peu plus d'informations. Mais pour avoir des informations complètes, c'est mieux de renseigner comme ceci. Là, c'est plus intéressant. OK. La date de fin ou plutôt de la tâche précédente. Vous avez vu ici, là, du côté gauche, j'ai la date de fin ou plutôt la date de la tâche précédente. Ici, à ma droite, j'ai la date de début ou plus tard de la tâche suivante. Je vais expliquer tout ça avec l'exemple d'application. Ben, ce n'est pas évident même de garder qui est la date au plus tôt, qui est la date au plus tard. Je vais expliquer ça. Vous voyez qu'avec la représentation, si je peux mettre la date là plus tôt en haut, c'est que le 22, s'il va quitter là pour se retrouver là. Le 23, qui est la date de début au plus tard de la tâche suivante, peut quitter là. Et là, nous avons le battement. Le battement ou la marge, c'est quoi? Ça sera la différence entre la date de début au plus tard et la date de fin au plus tôt. On a donc 23 moins 22. Quand on dit date de fin au plus tôt de la tâche précédente, date de fin au plus tôt de la tâche précédente, ça veut dire quoi? Le 22 jours signifie que toutes les tâches précédentes, la somme des unités de temps des tâches précédentes donne 22 unités de temps. Ça, c'est la date de fin au plus tôt des
tâches précédentes. Ça veut dire que pour la réalisation des tâches précédentes, j'ai au plus tôt 22 unités de temps. Maintenant, le truc qui est à droite, c'est quoi? C'est la date de début au plus tard de la tâche suivante. C'est la date de... Ça veut dire qu'au plus tard, dans 23 unités de temps, je pourrais débuter la tâche suivante. Ça veut dire qu'on a donc quoi? Une différence d'un jour. Les 1 jour là-dedans représentent la marge. On a perdu le... Ok, on est encore là. Nous allons entrer donc dans la méthodologie de construction du réseau, d'un réseau PERT. On va essayer de ressortir étape par étape. Ok. La méthodologie de construction d'un réseau PERT. Comment est-ce qu'on construit un réseau PERT? Pour la construction d'un réseau PERT, on va suivre des étapes. On va suivre des étapes qui vont nous permettre de matérialiser notre graphe. Première étape, il faut établir la liste des tâches. Faire le partitionnement des tâches en fonction des ressources. Ensuite, déterminer des antériorités, tâches immédiatement antérieures et tâches antérieures. Déterminer, ça c'est un autre tiret, déterminer les niveaux d'exécution ou rang des tâches optionnelles. Construire le réseau PERT. Calculer la durée du projet, les dates de début et de fin des tâches, déterminer le chemin critique, mettre en évidence les marges. On va donc matérialiser ce travail avec une application. Soit les tâches suivantes qui constituent un projet. On a A, 3, B, 4, C, 2, D, 3, E, 4. Ça veut dire que A a 3 unités de temps. B a 4 unités de temps. C a 2 unités de temps. D a 3 unités de temps et E a 4 unités de temps. Maintenant, les antériorités sont les suivantes. A enclenche C. A enclenche D. B enclenche E et C enclenche E. Afin de construire le réseau, nous allons déterminer le rang ou niveau d'exécution de chaque tâche, c'est-à-dire la position chronologique qu'elle occupe au début de son exécution dans le projet. Nous pouvons utiliser une matrice ou grille de dépouillement des données, dite matrice de dépouillement par les sommets. On met une croix lorsqu'il y a une antériorité entre une tâche et une autre. On cherche s'il existe des croix dans l'une des colonnes. Si nous ne trouvons pas de croix dans certaines, cela signifie que les tâches repérées en haut des colonnes n'ont pas d'antériorité. Elles sont alors de rang 1. On note ces tâches, puis on barre les lignes horizontales correspondant à ces tâches et on réitère l'opération précédente. On détermine les tâches de rang 2 et ainsi de suite. Les rangs déterminés permettent de positionner le début des différentes tâches lors de la construction du graphe. Bon, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a notre matrice de dépouillement. Alors, la matrice de dépouillement va s'afficher. Je vais reprendre ce qu'on a dit en haut. On a dit A enclenche C. Ça veut dire que A vient avant C. On a encore dit que A enclenche D. Après, on a dit B enclenche E. C'est que B vient avant E. Et pour finir, C enclenche E. Voilà. Comment il doit faire dans ma matrice de dépouillement? On a les après, on a les avant. Ah, on a là le début. On a A. A vient avant C. Je mets la croix là. Vous avez vu? Voici A qui vient avant C. Je mets la croix là. Ça matérialise. A vient avant C. A vient avant. Qui encore? A vient avant D. J'ai la croix là. A vient avant D. Ou bien A enclenche D. J'ai B. J'ai fini ici avec A enclenche D.
B enclenche E. Voici B qui enclenche E. Et C enclenche E. Voici aussi C qui enclenche E. Ouais, donc il n'y a aucune tâche qui vient avant A, rien du tout. Aucune tâche qui vient avant B. Ça veut dire qu'on dit que A et B peuvent être considérés comme des tâches de premier niveau. Je suis au niveau de C. C, il y a une tâche qui vient avant C qui est A. Puisque si j'ai le X là, ça veut dire que la tâche A vient avant C. Comme A est de premier niveau, C sera de deuxième niveau. J'ai aussi la tâche D. A vient avant, A enclenche D. A enclenche D. Ensuite, j'ai B, j'ai la tâche E. E a deux tâches qui viennent avant. Il y a C et il y a B. Donc, on peut déjà venir au niveau du graphe. Je vais vous montrer comment on fait au niveau du graphe. Voilà. J'ai la représentation là. Vous voyez que le rang, le niveau. A est ici au premier rang. Ici, le deuxième niveau a les tâches C et D, le dernier niveau ici. Je vais vérifier si le graphe là est, si le graphe dit retranscrit exactement les informations que nous avons eues au moment de la conception de la matrice. Voilà. On dit que A, voici ça ici. A enclenche C. Voici A qui enclenche C. Je peux même mettre le dessin. Voici A qui enclenche C. A enclenche D. Voici A qui enclenche D. B enclenche E. Voici B qui enclenche E. C enclenche E. Voici C qui enclenche E. Ça veut dire qu'on a respecté ce qui a été dit au niveau de la matrice. Je viens maintenant effectuer les calculs sur le graphe. La méthode PERT a pour but de planifier la durée d'un projet. C'est ça notre but, la planification du projet. Aussi, nous devons mener des calculs sur le graphe afin d'en déduire les renseignements sur son exécutabilité. Quelques définitions à retenir. Ici, lorsqu'on va finir de manipuler les définitions là, on va un peu refaire l'exercice. Je vais filmer ce que nous allons refaire là pour faciliter la compréhension. On va donc définir début au plus tôt d'exécution d'une tâche. C'est le maximum des fins au plus tôt des tâches qui la déclenchent. Pardon. Il peut exceptionnellement y avoir un retard ou un rushement si le cahier de charge du projet le précise et que la faisabilité est vérifiée. On dit quoi? Le début au plus tôt d'exécution d'une tâche. Le début, en fait, on peut commencer à exécuter une tâche quand? On peut commencer à l'exécuter lorsque on atteint quoi? On atteint le maximum de fin au plus tôt des tâches qui la déclenchent. Je dois d'abord finir avec les tâches précédentes. Si je suis peut-être, je vais regarder dans mon graphe, si je suis peut-être en train de vouloir déclencher, voilà. Si je suis en train de vouloir déclencher, par exemple, la tâche D. La tâche qui vient avant D, c'est quoi? C'est A, non. Il faudrait que je fasse d'abord, j'utilise les 3 jours, je vais dire les 3 unités de temps de A avant de déclencher la tâche D. Il faut donc que je puisse exécuter cela. Alors, ici, si je suis au niveau de E, pour qu'on démarre avec la tâche E, ça devient un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que pour avant la tâche E, nous avons A et C qui viennent avant E. D'un autre côté, nous avons aussi B qui vient avant E. Je dois donc calculer le nombre de jours. A et C, c'est 3, je ne fais que le nombre de jours, unité de temps. Bon, à chaque fois que je vais dire jours, vous mettez quoi, dans votre tête comme si j'étais en train de dire unité de temps. Si A a 3 unités de temps, c'est 2 unités de temps, et nous avons B qui est 4 unités de temps. Au début, du coup, je vous ai dit qu'on va prendre le temps le plus long. A, c'est 3 unités de temps, C, c'est 2. Si je fais 3 plus 2, ça me donne 5 unités de temps.
B, c'est 4 unités de temps. Ça veut donc dire que le nombre de temps avant E, ça sera quoi? Ça sera 3 plus 2, c'est-à-dire 5 unités de temps. Maintenant, le début au plus tard d'une tâche, c'est quoi? Le début au plus tard d'une tâche. C'est la date de fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche. La fin au plus tôt, c'est la date donc de début au plus tôt plus la durée de la tâche. La fin au plus tard, c'est le minimum des dates de début au plus tard des tâches qu'elle enclenche. Alors, la marge totale, donc, c'est quoi? C'est le retard admissible au début d'une tâche qui n'entraîne aucun recul de la date de fin du projet, mais qui consomme les marges libres des opérations suivantes. C'est la date de début au plus tard moins la date de début au plus tôt. La marge libre, donc, c'est le retard admissible sur une tâche qui n'entraîne pas de modification des calendriers des tâches suivantes. Bon, je vais filmer l'exercice pour mieux expliquer ce qu'on a dit au niveau des dates au plus tard, des dates au plus tôt et des marges. On va charger une présentation. Ici, je vais montrer comment est-ce qu'on détaille la correction de notre réseau PERT avec le tableau qui nous permet de ressortir les marges avec les dates au plus tôt et le chemin critique. Comment est-ce qu'on a fait? Là, c'est en train de charger. Bon, normalement, l'image, ça devait s'afficher. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Bon, il y a un véritable souci. L'image ne s'affiche pas. On va donc revenir sur la présentation qui est dans le cours, parce que là, je vois, ça ne s'affiche pas. Le chemin critique, parce que l'exercice que j'ai eu à ressortir, je ne sais pas, ça ne s'affiche pas. Bon, on va essayer d'avancer. Le chemin critique, c'est l'ensemble des tâches dont la marge totale et la marge libre est nulle. C'est le chemin dont la succession des tâches donne la durée d'exécution la plus longue du projet et fournit le délai d'achèvement le plus court. Si l'on prend du retard sur la réalisation de cette tâche, la durée globale du projet est allongée. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Je vais essayer de dessiner. Si j'ai là. Je vais essayer juste de dessiner une étape pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. J'ai une étape là. Une étape là. Disons que nous avons la tâche A là. On a vu dans l'exemple que A avait une durée de 3 unités de temps. A est au niveau de la première étape. Avant qu'on ne débute avec A, le projet est encore dépassé. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore, il n'y a pas de tâche précédente. A, c'est la première tâche. Ça veut dire qu'il n'y a aucun, la somme des tâches précédentes, des temps. Comment on va appeler ça? Le temps mis avant de déclencher A est de 0 unité de temps, puisque A est au niveau de la première étape. Pour déterminer si je vais faire 0 plus 3, j'aurai 3 jours ici là, 3 unités de temps. Je suis au niveau de la deuxième étape. Ça serait plus facile vraiment de trouver l'espace pour dessiner tout ça. Je vais un peu voir si je peux dessiner ça ici. Bon, j'essaye de télécharger à nouveau pour voir si ça va donner. Parce qu'on a vraiment besoin de cet exemple-là pour illustrer. Si on passe à l'action, passe à l'exemple suivant, vous aurez l'impression que vous n'avez pas compris ce que nous sommes en train de faire depuis. Donc j'espère que ça va bien charger parce que là j'ai retéléchargé l'image. Voilà. L'exercice que nous avons eu devant nous là, si on essaie un peu de mieux détailler.
J'ai expliqué en disant que il y a quelqu'un qui est connecté là, qui est en train de vouloir parler. Non, ça va, monsieur. Parlez, monsieur. Oui, je disais que heureusement que ça s'est affiché. Voilà, j'ai expliqué sur l'étape. Lorsque vous avez une étape qu'on met, là on met cache information, la cache information à l'intérieur, à droite, à gauche, à l'extrême gauche ici. À l'extrême gauche là, nous avons l'étape. Ici en haut, nous avons quoi? Nous avons la date de fin au plus tôt de la tâche précédente. Ici en bas, nous avons la date de début au plus tard de la tâche suivante. Et là, nous avons la marge ou le battement. Maintenant, voici notre réseau PERT. On sait que A a une durée de 3 unités de temps. B a une durée de 4 unités de temps. C a une durée de 2 unités de temps. D a 3 unités de temps et E 4 unités de temps. Comment est-ce que je fais pour remplir donc ça comme ça? Je finis de mettre les flèches là. Je sais, on avait conçu notre réseau en disant que A vient avant D et C. J'ai A qui vient avant D et C. On a A qui vient avant D et C. On a B qui vient avant E. On a aussi C qui vient avant E. Et on a A qui vient avant D. OK. Maintenant, comment est-ce que je fais pour remplir? Ici, j'essaie à créer la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape. Maintenant, pour remplir les dates de début et les dates de fin, je vais commencer par remplir les dates de fin au plus tôt de la tâche précédente, c'est-à-dire ici en haut, ça. Ici en haut, comment est-ce qu'on remplit ça? Comment je fais pour avoir les zéros aussi? J'ai dit que A est au premier niveau, ça veut dire qu'il n'y a aucune tâche qui vient avant A. C'est pour ça qu'on a donc 0 unité de temps. Pour avoir les trois signes, je fais quoi? Je fais 0 plus 3. J'ai les trois signes. J'avance. Je vais avancer à ce niveau-ci. Je suis au niveau de B. B, c'est 0 jours plus 4 jours, mais ici on a 5 jours. Pourquoi? Parce que B converge, on a aussi A et C qui convergent. On regarde le plus grand nombre de jours. 3 jours plus 2 jours est supérieur à 4 jours. C'est pour ça que nous avons 5 jours ici. Parce que 3 plus 2 supérieur à 0 plus 4. Le 3, c'est là. Plus les deux ici là, c'est supérieur au 0 ici, plus le 4 ici. On a donc 5 jours là. Je viens à ce niveau-ci là, à D. J'ai 3 jours ici, plus les 3 jours ici, ça fait 6 jours. Mais de l'autre côté, j'ai 5 jours ici, plus les 4 jours ici, ça fait 9 jours. Donc, c'est 5 plus 4, ça donne 9. 9 est supérieur à 3 plus 3. C'est pour ça que j'ai ici 9 jours. Lorsque j'ai réussi à avoir les 9 jours, là, je fais quoi? Je vais maintenant rentrer. On efface pour recommencer maintenant pour rentrer. Pour rentrer, je rentre à partir de 9. Ça veut dire quoi? Le nombre de jours que j'ai mis ici en haut, je reconduis les 9 là. En rentrant, je vais plutôt faire moins. Vous avez vu quand on avançait, on faisait plus. Maintenant, en rentrant, je vais faire moins. 9. 9 moins 4. 9 moins 4, ça me donne combien? 9 moins 4 ici, ça me donne les 5, c'est là. 5. 5 moins 4, je ne connais pas encore, puisqu'il y a plusieurs qui rentrent là-bas. Je suis à ce niveau. 9 moins 4 me donne 5. 5 moins 2, j'ai 5 moins 2. Et ici, j'ai 9 moins 4, moins 3. 9 moins 3, c'est 6. 5 moins 2, c'est 3. Je dois prendre le plus petit. Entre 6 et 3, le plus petit, c'est 3. J'aurai donc 5 moins 2. C'est ça qui me donne les 3 ici. Et j'aurai donc 3 moins 3, 0. 4 moins
5, nous sommes à quel niveau? 5 moins 4, c'est 1, alors que 3 moins 3 donne 0. Entre 0 et 1, c'est 0 qui est le plus petit. Comment est-ce que je vais donc faire pour avoir mon chemin critique? Le chemin critique, c'est où? C'est au niveau où les marges s'annulent. Je vais vous montrer où les marges s'annulent. Vous voyez, j'ai 0 moins 0. Si je fais 0 moins 0, 3 moins 3, 5 moins 5, 0 moins 0, 3 moins 3, 5 moins 5, 9 moins 9. Ça devient facile de trouver mon chemin critique. Je vais donc tracer mon chemin critique. Le chemin critique va passer par quoi? Par A, C et E. Oui, je vous écoute. Apparemment, il y a quelqu'un qui est en train de vouloir parler. Oui, monsieur. Il faut débrancher. Oui. Oui. Monsieur, je comprends. Pour déterminer le chemin critique, là, monsieur, vous avez... On est... Oui. Juste après l'explication du chemin retour, monsieur, vous avez parlé du chemin, vous avez parlé quelque chose avant. La connexion dérangée, un peu, pas bien écouté, monsieur. Oui, quand on a fini avec le retour, c'est-à-dire comme ça fait moins, je fais maintenant moins, et à chaque fois, je prends le plus petit. On est d'accord, non? Le chemin critique, maintenant, c'est au niveau des marges ici. Regarde les marges ici. Tu vois les marges ici, non? Ça. Oui, là où est-ce annulé. Tu vois les marges sinon là où est-ce annulé. Oui, monsieur. Là où les marges, là, ça annule. Quand il dit que les marges s'annulent, je fais la différence entre les deux à ce niveau-ci là. J'ai donc 0, c'est donc 0 moins 0, 3 moins 3, 0 moins 0, 3 moins 3, 5 moins 5, 9 moins 9. Je peux donc passer comme ça là. Le chemin critique sera A, ça sera A, C et E. On pouvait être tenté même de dire que c'est A, on pouvait passer par A et D. Mais regardez, lorsqu'on prend pour A et D, le nombre de jours n'atteint pas 9, non? Parce que ici, le nombre de jours, ça sera 9 jours. Le chemin critique, c'est A, C, E. Mais la durée globale du projet, c'est le nombre de jours, c'est les 9 jours qu'on a là. Les 9 jours. C'est pour ça qu'on choisit dans le chemin critique ici, parce que ça nous permet d'atteindre les 9 jours là. 3 jours plus 2 jours, ça fait combien? 5 jours. Si je prends A, 3 jours, C, 2 jours, E, 4 jours, ça va faire 3 plus 2 plus 4. Ça va nous donner les 9 jours là. Lorsqu'on réussit à déterminer le chemin critique, on va maintenant entrer dans les marges là, les dates plutôt avec les différentes marges. Je vais essayer d'agrandir ici. Ici là, à ce niveau-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai les tâches, j'ai la durée en jour de chaque tâche, comme A par exemple. A a une durée de 3 jours. B a une durée de 4 jours. Je préfère 10 jours parce qu'à chaque fois que je dis unité de temps, ça m'embrouille un peu. J'ai C, 2 jours. J'ai D, 3 jours. J'ai ce qu'on appelle ici les débuts plus tôt, début plus tard, fin plus tôt, fin plus tard. Marge libre, marge totale et nous avons le chemin critique. On va donc commencer. On a donc la durée, je vais réduire ça. Ici, on a la durée du projet, de chaque tâche. On commence donc par les dates, le début plus tôt. Le début plus tôt, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on dit début plus tôt dans le cours? Le début plus tôt. Début au plus tôt d'exécution, c'est le maximum des fins au plus tôt des tâches qui la déclenchent. Le maximum des fins au plus tôt des tâches qui la déclenchent. Je regarde les tâches qui viennent avant et qui la déclenchent. Lorsque je suis au niveau de A,
il y a une tâche qui vient avant A. J'ai donc ici là début plus tôt pour tâche A, c'est 0 jours. Je regarde. B est dans la même situation que A. Parce que quand je viens ici là, B, avant B, il n'y a aucune tâche. On est toujours à 0 jours. Je viens maintenant au niveau de C. Où est la tâche C? Voilà. Avant de déclencher la tâche C, on a quoi? On a d'abord eu combien de jours? On a seulement la tâche A qui la précède. Et cette tâche, c'est quoi? C'est 3 jours. J'ai les 3 jours là ici. Je viens au niveau de D. D est dans la même configuration que C parce que D, il n'y a que la tâche A qui vient avant D qui est de, qui a combien de jours? C'est 3 jours. Je viens au niveau de la tâche E. E se retrouve à quel niveau? Voici E ici. Deux groupes de tâches qui il y a deux groupes de tâches qui convergent vers E. Mais je vous ai dit que lorsqu'on est, on regarde le chemin critique, je vais prendre la date la plus longue. Parce que j'ai B qui vient avant E, mais B a 4 jours. Alors que j'ai A et C qui viennent avant E. Et A et C, c'est combien de jours? C'est 5 jours. J'ai donc ici là 5 jours. Je descends maintenant au niveau du début au plus tard. Le début au plus tard, c'est quoi? Le début au plus tard d'une tâche, c'est la date de fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche. La date de fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche. J'ai la date de fin au plus tard ici, là, au niveau de A. Nous sommes à quel niveau là? Nous sommes au début au plus tard. Date de fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche. Au plus tard, c'est 3 jours moins la durée de la tâche A qui est 3, ça fait combien de jours? Ça fait 0. 3 moins 3, ça me donne 0. Au plus tard, au niveau de B, B, ça sera 5 jours moins 4 jours. J'aurai 1 jour au niveau de B. C, je cherche C. C, ça sera 5 jours moins 2 jours. Ça me fait 3 jours là. D, je cherche D. Oui, D. D, ça sera 9 jours moins 3 jours. Ça me fait 6 jours. Et E, pour E, ça sera combien? Voilà, pour E, ça sera 9 jours. 9 jours moins 4 jours. Là, j'ai mes 5 jours là. Là, j'ai déterminé quoi, les débuts plus tard. Pour E ici, ça sera, voici ça ici. J'ai les 9 jours ici moins les 4 jours là. Ça me donne les 5 jours ici. Maintenant, je cherche la date de fin au plus tôt. Le fin au plus tôt, c'est quoi? C'est la date de début au plus tôt plus la durée de la tâche. La date de début au plus tôt plus la durée de la tâche. J'ai ma tâche A ici là. Où est ma tâche A? Le début au plus tôt de A, c'est 0. Plus la durée de la tâche A, c'est 3. 0 plus 3. Je suis à ce niveau-ci. 0 plus 3, ça me donne 3. 0 plus 4, ça me donne 4. Je cherche C. Où est C? 3 plus 2, ça me donne 5. Voici ça ici. Je cherche D. 3 plus 3, ça me donne 6. Après D, j'ai E. E, maintenant, E, ça sera quoi? Je suis au niveau de E. J'aurai 5 plus 4. À E, ça me donne 9. J'ai 9 ici là. Maintenant, fin plus tard. Qu'est-ce qu'on dit au niveau de fin plus tard? Fin au plus tard, c'est le minimum des dates de début au plus tard des tâches qu'elle enclenche. C'est le minimum des dates de début au plus tard des tâches qu'elle enclenche. En fait, ce sont les dates qu'on met ici en bas. Je sais à quel niveau là. Je vais prendre au niveau de A. A, je suis ici, je suis au niveau ici de fond plus tard. A, j'aurai 3 jours. J'ai mes 3 jours là. Pour la tâche B, j'aurai 5 jours. J'ai les 5 jours là. Pour la tâche C, C aussi pour lui, c'est 5 jours. Pour la tâche D, je cherche pour la tâche D ou la tâche D. Pour la tâche D, c'est 9 jours. Et pour la tâche E, c'est 9 jours.
Maintenant, je suis au niveau des marges libres et des marges totales. Je suis au niveau des marges libres et des marges totales. Qu'est-ce qu'on a dit que la marge totale, je vais commencer par la marge totale et avant de la marge libre. On a dit que la marge totale, c'était quoi? La marge totale, c'est le retard admissible du début d'une tâche qui n'entraîne aucun recul de la date de fin du projet, mais qui consomme les marges libres des opérations suivantes. C'est la date de début au plus tard, moins la date de début au plus tôt. Si on commence à regarder les marges totales ici, là, au niveau de A, lorsque je regarde la tâche A, je suis ici au niveau de la tâche A, la marge totale, ça sera de 3 moins, je suis à quel niveau? Au niveau de A, je suis à 3 moins 3, ça me donne 0. Je descends au niveau de B. Vous voyez que la tâche B ne fait pas partie du chemin critique. Parce que c'est ce qu'il faut d'abord relever. Quand une tâche ne fait pas partie du chemin critique, il y aura un décalage en jour. Lorsque je regarde la tâche B, ça sera au lieu de faire 5 moins 5 comme ici, on va plutôt faire 5 moins 4. On a un jour qui reste au niveau de la tâche C. Je viens au niveau de la tâche B. Au niveau de la tâche C, je descends au niveau de la tâche C. C fait partie du chemin critique. Ça veut dire que là, C, j'aurai 5 moins 5, 0. Je viens au niveau de la tâche. Je viens au niveau de quelle tâche là? Voilà, je peux même déjà faire ici dans le tableau. Je n'ai même pas besoin d'aller dans le graphe. J'ai 3 moins 3, 0. J'ai 5 moins 4, 1. J'ai 5 moins 5, 0. J'ai 9 moins 6, 3. Et j'ai 9 moins 9, 0. Oui, monsieur, ça c'est quand on détermine directement sur le tableau. Et si on veut déterminer ça directement sur le schéma, ça se passe comment, monsieur? Ok, ici là, je suis passé par le tableau. Maintenant, le problème, c'est que je ne peux pas. Ça va être difficile de passer par le schéma. Pourquoi? Parce que pour avoir les configurations de marge de date au plus tôt et de date au plus tard, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé de petites formules. Ça veut dire que si je rentre dans le schéma, je vais utiliser une très longue formule. Il est mieux de passer directement ici là dans le tableau. Lorsque j'ai réussi à faire mon tableau, ça sert même à rien d'aller se retrouver en train de faire le calcul au niveau du schéma. Parce que là, ça va devenir plus compliqué. C'est mieux de rester ici au niveau du tableau et de ressortir les différentes marges. Bon, maintenant, lorsqu'on a réussi, si on a réussi à, je vais appeler ça comment, si on a réussi à sortir étape par étape ces différentes marges, on peut déjà interpréter, par exemple, les informations comme le chemin critique, la durée globale du projet, c'est-à-dire le délai d'achèvement le plus court. Quand on dit que le délai d'achèvement le plus court, c'est 9 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je finis de consommer le temps mis sur le projet, je dois consommer au moins ces 9 jours-là. Ça, c'est le délai, en fait, c'est le nombre de le délai d'achèvement le plus court. Ça veut dire que ce sont les 9 jours-là que je dois utiliser pour mener à bien le projet. Parce que lorsque j'utilise les 9 jours-ci, j'ai tenu compte des jours, des tâches qui ont les jours, des tâches les plus contraignantes. Qu'est-ce qu'on appelle tâches contraignantes? Les tâches contraignantes, ce sont celles-là qui utilisent le plus de temps possible. Les tâches contraignantes, ici, ce sont celles qui utilisent le plus de temps possible. Si on essaye de... Voilà le petit tableau que vous avez vu que j'ai ressorti au niveau des marges. Voici ça dans le document ici. Mais j'ai voulu qu'on ait le réseau PERT bien détaillé pour pouvoir expliquer comment est-ce qu'on concevait ce tableau avec les différents délais et les marges. Ce que vous allez faire, c'est quoi? J'ai donné un autre cas ici en bas. Vous allez voir le petit cas ici. Voilà. Le cas, on a déjà fini de ressortir le réseau PERT. Le travail que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est d'aller maintenant vous exercer à ressortir les marges libres et les marges libres, marges totales,
avec les différentes informations relatives au début au plus tôt, début au plus tard, fin au plus tôt, fin au plus tard. Si vous essayez avec ce réseau, parce que ici là, ça c'est un réseau PERT un peu plus complexe que ce qu'on a fait dans l'application. Là, ça va vous donner matière à réflexion. Alors, le temps imparti ne nous permet pas de faire le diagramme de Gantt aujourd'hui. Vous savez que la prochaine séance, on va finir avec le diagramme de Gantt avant d'attaquer le prochain chapitre. Donc, j'attends les différentes questions relatives à ce qu'on vient de faire sur le réseau PERT. Donc, je vous écoute. Ok, monsieur. Monsieur, vraiment, c'est la connexion dérange un peu. Monsieur, vous pouvez revenir sur la correction de l'exemple, monsieur. Oui. À quel niveau exactement? Bon, monsieur, parce que j'ai pas bien compris comment est-ce que vous remplissez, est-ce compris comment vous remplissez les deux nombres qui s'annulent là, mais les deux nombres sont sur le côté des cercles là, j'ai pas bien compris comment vous remplissez ça, monsieur. Hein, les deux nombres qui sont sur le cercle. Attends, je remets l'application. Bon, je suis en train de revenir sur l'image là. Je ne sais pas pourquoi l'image là a toujours des soucis pour s'afficher. Bon, en attendant que ça vienne, monsieur, j'aimerais savoir. Oui, je vous écoute. Oui. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour déterminer le au plus tard, monsieur. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le Début au plus tard. début au plus tard? Au niveau du début au plus tard, on dit que le début au plus tard de la tâche, c'est quoi? C'est la date de fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche. Tu vois la date de fin au plus tard de la tâche? Tu vois quand il y a le rond là, non, la date de bas là. Si je Voilà. prends Comme il n'y a même pas d'image là, je vais prendre une tâche au hasard pour un peu pour illustrer, n'est-ce pas? Tu dis que tu veux savoir comment on fait pour avoir début au plus tard de la tâche, c'est ça, non? Putain. Monsieur. Début au plus tard de la tâche. Tu vois le rond, quand tu vois le rond là a une croix. Il y a quatre Monsieur. parties. J'ai dit que à l'extrême gauche, c'est quoi la tâche? C'est le. À l'extrême gauche. À l'extrême gauche, on a quoi? On a l'étape, non? À l'extrême gauche, on a l'étape. En haut, on a la date de fin au plus tôt et en bas, on a la date de début au plus tard. Pour que tu réussisses donc à trouver le début au plus tard de la tâche, tu prends ce qui est en bas là, c'est-à-dire ce qui est en bas, c'est-à-dire la date du début au plus tard de la tâche suivante. Tu fais moins la durée de la tâche elle-même. Si je prends peut-être la tâche A, quand je regarde après A, j'ai quoi? J'ai 3 jours en bas au niveau de la date au niveau de la date de début au plus tard. Je vais donc faire les trois là moins les trois qui représentent la durée de la tâche A, qui ça donne, c'est ça qui va donner 0 jours. Si je prends peut-être pour la tâche B, la date de début au plus tard de B en haut, c'est quoi? En bas là, c'est 5 jours. La durée de la tâche B elle-même. Tu fais ce qu'on a après là, non? Moins la durée de la tâche en elle-même. C'est pour ça qu'au niveau de Ah, B, d'accord. j'ai 5 jours moins 4 jours. Ok, d'accord, monsieur. Il faut que l'image vienne, parce que quand j'explique comme ça en l'air, sans image, là, je n'arrive pas bien te situer. Non, monsieur, Voilà, c'est en train quand de se... l'image était là, j'ai pu faire. Ok, c'est bon. Pardon? Donc, quand l'image était encore là, j'ai pu faire un croquis sur mon papier pour facilement me repérer. Donc, quand vous avez parlé tout à l'heure, j'ai suivi, monsieur. Oui, c'est en train de s'afficher, ça. On dirait que la connexion est en train de déranger. J'espère que ça va revenir là maintenant. Ah, c'est bon, je vous écoute, monsieur. Oui, c'est bon. Oui, je disais ceci. Si je prends l'exemple d'une tâche qui ne fait pas partie du chemin critique, comme la tâche D. Tu vois la tâche D, non? Oui, monsieur.
La durée en termes d'unité de temps, la durée de D, c'est combien? C'est 3 jours. Si tu as eu, si tu as vite fait le croquis, la durée de D, c'est 3 jours. Monsieur. Maintenant, si je prends la tâche D et j'ai envie de déterminer quoi? La date, tu as dit que tu veux savoir comment est-ce qu'on détermine la date de début au plus tard. Pour déterminer la date de début au plus tard de D, qu'est-ce que je vais faire? Je viens après là que D, j'ai quoi? J'ai la quatrième étape. Dans la quatrième étape, si je représente mon cercle, j'ai à l'extrême gauche la quatrième étape, la date au plus tôt qui est de 9 jours et la date au plus tard qui est de 9 jours avec la marge qui est de 0. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme je sais que c'est D et que je veux déterminer la date de début au plus tard de D, je vais prendre les 9, c'est-à-dire les 9, la date de début au plus tard de la tâche suivante, moins la durée de D, même la durée de D qui est 3 jours. Ça va me faire donc 9 jours moins 3 jours. Ça veut dire qu'au niveau de date de début au plus tard D, ça sera 6 jours. C'est la même chose que je fais partout, que je sois au niveau de A, de B, de C ou de E. C'est la même chose que je fais. Si je prends C, par exemple, quand je vois C, après l'arc de C, c'est la troisième étape. La troisième étape a 5 jours plus tôt, 5 jours plus tard. Comme j'ai donc 5 jours, je fais 5 moins 2, ça me donne 3 jours. Au niveau de C, donc j'ai la date de début au plus tard qui est de 3 jours. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut toujours pas s'afficher, pourquoi ça dérange comme ça. Non, Ça monsieur, met si je du temps comprends pour bien, il y a une différence entre la date du début au plus tard et la date au plus tard. reprends un peu ta question. Monsieur, si je comprends Tu es au bien, niveau ça de veut la dire date, tu es là, tu es au niveau de la date de début au plus tard, non? que. Oui, monsieur, c'est ça. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, attends, regarde, je vois un peu là où il y a ta préoccupation. Quand tu es dans on appelle ça, quand tu es à l'intérieur de l'étape, quand tu es à l'intérieur de l'étape là, le petit cercle, le petit rond, non? Oui, On monsieur. ensemble. Quand tu es à l'intérieur de Monsieur. l'étape, le petit rond là, on te montre on te montre principalement deux informations. Il y a la date de fin au plus tôt de la tâche précédente. La date de fin au plus tôt de la tâche précédente, c'est ça qu'on met en haut. Et en bas, on a la date de début au plus tard de la tâche suivante. Mais maintenant, au niveau on appelle ça comment? Au niveau du tableau, on te demande de déterminer quoi? Parce que suis bien comment c'est différent. Au niveau du tableau, on te demande de déterminer la fin au plus tôt. Le début au plus tard d'une tâche. Là, on a la fin au plus tard d'une tâche, on a la fin au plus tôt, on a le début au plus tôt d'exécution d'une tâche. De l'autre côté, quand on dit peut-être pour les tâches précédentes, tu es obligé de faire quoi? La somme des dates des tâches différentes. Mais ici, à ce niveau-ci, pour trouver pour une seule tâche, tu es obligé de faire quoi? De passer par une formule. Parce que au niveau des étapes, au niveau des étapes, on te parle de date de début au plus tard de la tâche suivante. Ici, cette tâche suivante-là, ce n'est pas seulement son temps compte, on ne tient pas compte seulement de sa durée, mais on tient compte de toutes les durées des tâches qui la précèdent. Si je suis déjà peut-être au niveau de la tâche C, je sais qu'il y a la tâche A qui me précède. Bon, je vais prendre une tâche qui est plus éloignée, la tâche E par exemple. Pour avoir la tâche E, je dois tenir compte de la tâche A et de la tâche C. Parce que A précède C et C précède E. Ça veut dire que pour avoir la durée, là, je dois tenir compte de toutes les durées précédentes. C'est l'exemple que je te donne, regarde. Si je suis au niveau de la tâche E, mon 9 jours que j'ai là, 9 jours représentent la date de début au plus tard de la tâche suivante. Mais 9 jours ne sera pas la date pour une seule tâche. Ça sera la date de A, qui est 3 jours, plus la date de C, qui est 2 jours, plus la date de E, qui est 4 jours. Ça va me donner combien? 3 plus 2 plus 4.
ça me donne 5 plus 4 qui est égal à 9 jours. Si je veux donc rentrer, je dois retirer simplement le nombre de jours de la date même, de la tâche même qui m'intéresse, qui est E. C'est pour ça que je vais faire donc 9 moins 4, j'aurai 5 jours au niveau de E. Donc c'est un peu ça. Il faut faire la distinction entre la date au plus tard, je vais dire la date de début au plus tard des tâches suivantes ou la date de début au plus tard de la tâche. On se comprend. Voilà, c'est même déjà venu, l'image est même déjà venue. Bon, nous allons essayer d'agrandir. L'autre c'est venu de manière. Qu'est-ce qui s'est encore passé là? Bon, je n'arrive pas, je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à contrôler l'image. Je vais un peu. Ok, je vais essayer de manipuler ça, même comme ça après. Ok. Vous regardez ici à ce niveau, je prends par exemple là. Ici, je suis à quoi? Le 4 là représente la quatrième étape. On est ensemble? Oui, je vous écoute. Monsieur, le 4 représente la quatrième étape, vous comprenez? Je dis que le 4, si, je suis ici là. Le petit 4. Voilà, je vais pas agrandir ça comme ça. Je suis ici à ce niveau-ci. Le 4-ci représente quoi? Ça représente l'étape. Le 9-ci qui est en haut-ci, ça représente la date de fin ou plutôt de la tâche précédente. Ça veut dire que le 9-ci, je vais faire quoi? Je fais la somme des dates ou plutôt des tâches précédentes, toutes les tâches précédentes là. Ici, j'ai le même 9-ci là qui est quoi? La date de début au plus tard de la tâche suivante. Début au plus tard, la tâche suivante signifie quoi? Si je devais avoir une cinquième étape, pour débuter la cinquième étape, je dois d'abord passer 9 jours qui représentent quoi? Qui représentent la somme des dates des tâches précédentes. Alors que le 9, si, c'est ça, quand vous regardez, j'ai 9 en haut, 9 en bas, mais ça n'a pas la même signification. Le 9 qui est en haut signifie quoi? C'est la date de fin ou plutôt de la tâche précédente. Je fais la somme des dates de fin des tâches précédentes. Lorsque je viens ici, là, c'est la question que tu as posée. Tu voulais savoir comment est-ce qu'on détermine les dates de début au plus tard. C'est ça, non? Monsieur. Pour avoir la date de début au plus tard, si, la formule dit quoi? Parce que c'est là où on se réfère d'abord. Quand vous déterminez la date de début au plus tard, la formule dit que la date de début au plus tard d'une tâche, c'est la date de fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche. C'est la date de fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche. Je viens donc sur la date de fin au plus tard, peut-être si je veux savoir pour D. Je regarde la date au plus tard, la date de fin de D qui est 9. 9 moins sa durée en elle-même qui est 3, ça fait 9 moins 3, ça me donne 6. Tu vas te rendre compte que si je viens à D, je viens ici au niveau de D, je vais trouver 6 jours. Si je veux peut-être déterminer pour C, voici C. C a une durée de 2 jours. La date au plus tard, ici, c'est 5 jours. 5 moins 2 jours, ça me donne les 3 jours là. Si je viens ici au niveau de C, j'aurai 3 jours. Est-ce que tu comprends un peu maintenant la formule là? Monsieur, dans la formule, vous dites que la date de début ou plus tard, c'est la date de fin ou plus tard de la tâche, moins la durée de la tâche. C'est ça, non, monsieur? Oui. Par contre, quand vous prenez la date de fin ou plus tard de la tâche sur l'exemple, cela ne correspond pas vraiment à ça, monsieur. Je me trompe. Parce que vous avez dit que le nombre qui est en haut dans le cercle, le nombre qui est le plus en haut, c'est le nombre là représente la date de fin ou plus tôt de la tâche qui précède. Oui, allez-y, allez-y. Et alors que ce n'est pas ça qu'on doit utiliser dans la formule d'après ce que vous avez dit, monsieur. Je
Je suis en train d'expliquer ça en disant que j'ai, parce que j'ai quoi? J'ai deux types de dates. J'ai la date de fin ou plutôt de la tâche précédente et j'ai la date de début ou plus tard de la tâche suivante. Lorsqu'on lit la formule, lorsque vous lisez la formule ici, là, je reviens un peu au niveau de la formule. Lorsqu'on lit la formule, début, on est au niveau de fin au plus tard, je suis à début au plus tard d'une tâche, c'est la date de fin au plus tard de la tâche, moins la durée de la tâche. Je suis la date, c'est là où on se trouve, non, début au plus tard d'une tâche. C'est la date de fin au plus tard de la tâche, moins la durée de la tâche. La tâche, c'est là, où on cette tâche-là. Si je suis au niveau de la tâche D, la fin au plus tard de la tâche D, pour déterminer la tâche, la fin au plus tard de la tâche D, c'est 9 jours. En fait, je comprends un peu le petit souci, c'est quoi? C'est que lorsqu'on dit ici en haut, date de fin, date de fin au plus tôt de la tâche précédente. Date de fin au plus tôt de la tâche précédente et date de début au plus tard de la tâche suivante. C'est un peu ça qui crée c'est ça qui crée un peu le souci parce que je ne comprends pas bien à quel niveau vous voulez apporter cette éclaircie-là. Bon, ce qu'on va faire pour ne pas pour gagner, pour trouver facilement un compromis. Vous m'écoutez? Allô? Oui, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais à la séance de demain, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais monter un calendrier de correspondance entre les dates de fin et les dates de début. Donc, je vais monter un petit document pour expliquer la différence entre date de fin, date de début, que ce soit au niveau de la tâche précédente ou la tâche suivante. En fonction de ce calendrier-là, on va revenir sur ce débat-là. C'est mieux, non? Ce serait mieux ainsi. Là, on va revenir sur ce débat-là. D'accord, monsieur. Bon, nous allons faire le diagramme de Gantt demain. On va d'abord faire ce que je viens d'expliquer, de dire qu'on va présenter là. Et nous allons faire le diagramme de Gantt avant d'entrer dans le prochain chapitre. Donc, pour cette séance, nous avons terminé ce que nous avions à faire. Nous avons ressorti le réseau PERT avec les différents calculs de date au plus tard, date au plus tôt avec les différentes marges. Donc, demain, je vais revenir avec ces correspondances-là pour qu'on ait une visibilité totale sur cette partie-là.